Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, je reçois Véronique Saint-Gelais, directrice générale du Musée minéralogique et minier. Bonjour Véronique. Bonjour Karine. Ça va bien? Merci, oui, toi oui. aussi. Beaucoup de choses en 2019. Vous avez fait une conférence de presse dernièrement oui. pour annoncer votre nouvelle programmation. Oui, en et effet. Et là, c'est comme un peu effervescent tout ça. Là. Il se passe des choses oui. pas mal. Absolument. En fait, c'est la raison pour laquelle on a fait cette conférence de presse-là. C'est pour annoncer la quantité de nouveautés qu'on voulait présenter pour la programmation 2019. Vous avez probablement déjà commencé à voir circuler aussi en ville le dépliant de programmation 2019. Oui, je vais le montrer à oui, l'écran. Absolument. Là. C'est possible. Ouais. Donc, à l'intérieur ouais. duquel va se retrouver la programmation non seulement des expositions du musée et du centre historique de la Mine King, mais aussi toutes les informations dont on a besoin de savoir à propos des heures d'ouverture, des tarifs d'entrée, des informations plus détaillées, par exemple. Ah, c'est complet, là. Je oui. le feuilletais tout à l'heure. Là. On va vraiment savoir ce qui se passe dans Baptiste, comme on je dit. Je pense hein? bien que oui. En fait, on s'est assuré de faire un exercice le plus complet possible. Évidemment, oui. au moment où on met ces outils-là sous presse, il nous reste des détails à attacher, notamment au niveau des conférences ou des activités familiales. Mais on vous donne quand même le lien vers quoi rester attentif là, pour connaître les derniers détails sur notre programmation, notamment via les réseaux sociaux du musée. Là. Et au musée, il y a une exposition. En fait, je devrais dire, on a des expositions permanentes. Absolument. Qui sont, peut-être qu'on peut en parler un petit oui. peu, là, parce que c'est sûr qu'on s'entend, ça va être axé sur la minéralogie, là, j'imagine. Absolument. Là. Ouais. Donc, on en a combien d'expositions permanentes? Il y a une... c'est deux expositions permanentes ah, bon. À l'intérieur d'une seule. Ceux qui sont déjà venus au musée, et même pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement l'endroit, on a une salle d'exposition permanente et une salle d'exposition temporaire. Donc, dans la salle d'exposition permanente, elle est aménagée avec deux expositions en une. C'est-à-dire que la première s'appelle « Mémoire de pierre, fierté et des mesures d'une région ». C'est l'exposition, en fait, qui dresse le portrait de l'histoire sociale de la région de Thetford Mines. Et vous avez aussi, à la fin de cette expo-là, l'exposition permanente « Atomes et cristaux », qui, celle-là, va parler beaucoup plus de la minéralogie, bien qu'il y a des spécimens minéralogiques aussi à l'intérieur de l'exposition permanente, bien entendu, mais celle-là est plus particulière parce qu'on vous présente des spécimens un petit peu plus spectaculaires concernant des minéraux du monde entier classés à ce moment-ci par famille minéralogique. Et on l'appelle le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, mais c'est vraiment l'histoire de la région. Oui, là, absolument. Parce que des mines, il y en a eu, tu sais, je veux dire, à Saint-Joseph-de-Coleraine jusqu'à East Broughton. Là, il y avait vraiment une ligne, là, une oui. ligne de mines, comme on dit. En fait, c'est oui. En fait, puis cette ligne-là n'est pas nécessairement imaginaire hein, parce que la disposition des mines suit la ceinture ophiolitique des Appalaches. Là, donc, c'est ce qui correspond vraisemblablement à la veine d'exploitation. Oui, c'est ça. Et là, on fait l'histoire là, vraiment d'une région au complet. Oui, là. Oui absolument. Okay. En lien, évidemment, avec son exploitation minière. Bien sûr. Et au niveau des expositions temporaires, oui. bien là, ça change. Hein? Ça change oui. toujours. Puis il y a des années où il y en a plus que d'autres, mais l'année prochaine, on va en avoir combien? L'année prochaine, en fait, c'est déjà en cours parce oui. qu'on en a une qui est déjà à l'affiche présentement. On va on avoir trois parle. Expositions différentes. Cette année, je crois, justement, en janvier, à partir de janvier, il y a une artisane qui était Hélène Laplante qui oui. disait qu'elle était exposée au oui. musée. Oui. En fait, alors... cette exposition-là a pris fin dans les premiers jours de janvier. Ah c'était bon? Charabia Animal. Et puis, effectivement, on avait une belle participation, une belle collaboration avec Hélène Laplante, là, qui avait mis des œuvres en exposition oui. à l'intérieur de cette exposition-là. Je sais pas, pour ceux qui connaissent Hélène Laplante, elle fait des sculptures, dans le fond, en fibre de verre, c'est des silhouettes animales. De quasiment grandeur nature. Oui, hein, absolument. Puis, ça se prêtait très bien au sujet de l'exposition à ce moment-là. Il y a quelques-unes de ces pièces qui sont encore exposées dans la salle polyvalente du musée chez nous, donc ah bon. C'est encore possible de venir voir de quoi ça a l'air. Et par la suite, l'exposition qui est la première exposition, ça traitait de quoi? Celle qui est à l'affiche actuellement s'appelle « Comme un poisson dans l'eau ». C'est ah bon. Une exposition qui est produite par le musée du Fjord de Saguenay. Elle est à l'affiche chez nous déjà depuis les premiers jours de janvier jusqu'en juin 2019. Oui. Donc, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 16 juin. Et là, on va parler évidemment comme un poisson dans l'eau des espèces de poissons qui caractérisent finalement particulièrement le Québec. On part en fait là, de quelque chose qui est très général, dans le fond, là, la physionomie des poissons jusqu'à l'exploitation des stocks dans les bassins québécois et canadiens.
Est-ce qu'il y a une... Quand vous installez une exposition temporaire, d'après ce que je peux voir, il n'y a pas nécessairement un lien avec l'histoire de la région. Comment ça Non. s'organise une exposition de ce Il n'y a genre-là? pas nécessairement de lien parce que l'une des missions du musée, c'est aussi de faire connaître à la population locale puis aux touristes qu'est-ce qui se fait à l'extérieur aussi, dans d'autres sujets aussi et dans d'autres domaines. Donc, nous, on travaille avec une liste de projets d'exposition itinérante, dans le fond. Lorsqu'un musée met une exposition à l'affiche à l'extérieur de ses murs, on appelle ça une exposition itinérante. Donc, on travaille avec un listing de base là, d'expositions itinérantes qui sont produites par des musées, soit québécois ou canadiens. J'ai cru remarquer aussi que ces expositions temporaires étaient souvent axées sur des thèmes un peu plus scientifiques. T'sais, Oui. on va pas dans une exposition de peinture ou de je sais pas, à la saveur culturelle. On va vraiment plus dans le créneau scientifique, là. Oui, on essaie de rester dans le créneau scientifique de par la mission même du musée minéralogique, qui est un musée scientifique, bien entendu. On déborde un petit peu au niveau des sciences naturelles à ce moment-là, comme vous voyez avec les poissons. Oui. On peut aller un petit peu vers le côté historique aussi, là, tout dépendant là, des sujets qui s'y prêtent, puis de la disponibilité des expositions aussi. Des fois, c'est l'enjeu là, qui est Oui, tout à difficile, fait, là. Donc, effectivement. les disponibilités aussi, puis les tarifs, là, parce que ces expositions-là, nous, on vous les offre, mais il faut quand même, Il y a un il y a coût un à coût de ça, hein? location rattaché à ça, effectivement. Donc, jusqu'en juin, comme un poisson dans l'eau. Oui. Et par la suite, Par il la y en a suite, on une s'en va autre. avec l'exposition Vrai ou faux sous la Ah. loupe de la science, qui est une exposition produite par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Donc, celle-là va être à l'affiche de fin juin jusqu'à fin septembre à peu près. Donc, du 22 juin au 22 septembre. Et celle-là va Celle-là, je suis traiter un curieuse, petit peu plus. celle-là, Vrai ou faux, en fait, sous la loupe de la science, ce que ça veut dire, c'est que ça va démystifier certains mythes, par exemple. Est-ce que c'est vrai que si on prend tel produit, on va éloigner l'arthrite pour toujours? Ce Ah, genre c'est de intéressant, ça, choses-là. Est-ce que. pour nos jeunes. Est-ce que ça serait plus une... C'est une exposition qui est très accessible à la famille à Oui, ce moment-là, absolument, là. absolument. Et là, on est en pleine saison estivale aussi, donc ça Oui. devient plus ludique aussi. C'est agréable pour non seulement pour la population locale, les familles, mais aussi pour les touristes de passage. Donc ça va être pendant la saison estivale, ni Oui, plus ni c'est moins. ça. Est-ce qu'on a déjà décidé de l'exposition qui aura lieu durant la saison Oui, automnale? Oui. absolument. On a Ah. déjà planifié la programmation jusqu'à, dans le fond, à Jusqu'à la 2020, fin de hein? cette exposition-là. C'est début 2020, effectivement. Et celle-là va nous venir d'un ingénium, c'est les Musées de sciences et d'innovation du Canada. Donc, ça s'appelle Prisonniers de la glace. C'est la découverte des navires de Franklin qui ont fait des Oh! expéditions dans le Grand Nord dans les années 1840, 45, 7, Oui, ça, c'était dans 45. l'Arctique, la baie d'Hudson, Oui, c'est ça, hein? exact. Donc, il y avait de l'exploitation qui se faisait au niveau de l'Arctique canadien pour valider le passage par le Nord-Ouest. Oui, tout à fait. Et pour ceux qui sont férus d'histoire, savent que c'est pas cette exposition-là. L'exposition, c'est une chose, mais Oui. l'expédition comme telle, c'est mal terminé. C'est ce que l'exposition va retracer, là, finalement, un peu l'historique C'était de autour des cette années expédition-là. 1850, là, c'est ça? 1845, oui, on est en 1845. Bon, mais effectivement, et ça s'est fini comment? Celle-là, ça s'est fini comment, Oui, l'expédition? l'expédition. Ben, ça s'est pas fini bien, en fait. Prisonnier de la glace, ça dit un peu ce que ça veut dire, hein? Mais il y a des raisons derrière ça, là. C'est pas juste une question de froid, là. Il y avait des conditions au niveau sanitaire aussi, si je ne On doit m'abuse, aussi parler là, alimentaire. des liens avec les Autochtones du Grand Nord dans cette Oui. Puis là, ben, je veux pas me exposition-là. mouiller parce que moi, mon historique de l'expédition Franklin est quand même loin. Je compte beaucoup sur le sujet de l'exposition pour me remettre un peu dans le bain. Alors, tu es chanceuse, Mais toi, oui. tu assistes à toutes ces expositions-là. Oui, Mon c'est Dieu, ça. quel métier J'aime de beaucoup, en fait. Ben rêve! oui, ça me replonge un peu dans mes anciennes amours, bien entendu. Ah oui. Alors, donc, trois expositions temporaires. Oui. Et il y a aussi, bien entendu, les rendez-vous conférences, les activités familiales et les événements annuels. Je ne sais pas si tu peux m'en parler un petit peu plus. En fait, ce qu'on a annoncé dans le nouveau dépliant de programmation, comme tu l'as dit, Oui, c'est c'est ça, des on a un rendez-vous bel conférences. aide-mémoire, hein, aujourd'hui, Oui, là. c'est les rendez-vous conférences des activités familiales puis les événements annuels. Les événements annuels, c'est quelque chose qui va revenir de toute façon parce que c'était déjà à l'affiche. On parle à ce moment-ci de la foire minéralogique qui a lieu à la fin septembre. C'est quoi ça? Vous connaissez pas la foire minéralogique? Ben non. Alors, je vais me faire un
grand plaisir de vous expliquer en quoi cela consiste. S'il vous plaît. La foire, en fait, c'est un rendez-vous des collectionneurs et d'artisans, collectionneurs de minéraux, évidemment, et de pièces fort intéressantes. On peut aller faire des échanges. Il peut y avoir de la vente sur place. L'édition de l'année dernière aussi, il y avait des gens qui transformaient ces minéraux-là, donc par des bijoux, par exemple, des choses comme ça. L'année passée, l'activité avait lieu sur une seule journée. Cette année, on ramène l'activité sur toute la fin de semaine. Ça veut dire que c'est populaire. Oui, c'est très, très, très populaire. Bon. Donc, c'est un rendez-vous, en fait, là, pour les collectionneurs. Donc, c'est à l'automne. À l'automne, on est à la fin septembre. Donc, si je ne m'abuse, c'est aux alentours du 28-29 septembre. Donc, dernière fin de semaine de septembre pour ceux qui ont un calendrier à proximité. Donc, ça, c'est le premier événement annuel, canné. Exact. Et ça se trouve être la même fin de semaine que les Journées de la culture. Pour ceux qui le savent, les Journées de la culture, c'est toujours le dernier vendredi de septembre et la fin de semaine suivante. Mm-hmm. Donc, on est en même temps, ce qui va nous donner un prétexte, dans le fond, pour organiser des activités supplémentaires là, dans ce cadre-là, autant au niveau du musée, peut-être même au niveau du KB3. Et dernier événement annuel qui revient aussi en décembre, c'est le Salon régional des métiers d'art là, qui a lieu au Musée minéralogique. Oui, oui, qui est toujours magnifique. Là. Exactement. Donc, on en a deux, mais ça se peut qu'il s'en rajoute. Ça se peut qu'il s'en rajoute, comme il va se rajouter, comme je le disais tantôt, des conférences et des activités pour toute la famille. Comme je l'expliquais en début d'entrevue, au moment de mettre sous presse des outils comme le dépliant de programmation 2019, on n'a pas nécessairement tout le calendrier d'activités. On invite les gens à être particulièrement attentifs au niveau des réseaux sociaux du musée pour connaître nos sujets de conférence. Évidemment, les dates, les tarifs reliés à ça et les activités pour toute la famille. On est en train de publier, en fait, là, présentement, certaines activités qui s'en viennent, dont une conférence de Patrick Bourgeois. C'est pas le chanteur. Non, pas celui-là. Il est plus disponible. Il est plus disponible. Il a pris sa retraite. Malheureusement. Donc, Patrick Bourgeois, c'est un photographe qui est derrière un documentaire qui s'appelle Québec profond, qui dresse un petit peu l'état de situation du fleuve Saint-Laurent, en fait, au Québec. C'est en lien avec l'exposition « Comme un poisson dans l'eau ». Oui. Cette conférence-là va avoir lieu le 12 mars en soirée. Les billets sont déjà en vente. Et on a une activité pour toute la famille aussi qui s'en vient en lien, ou encore une fois, avec l'exposition « Comme un poisson dans l'eau ». C'est l'Aquavan de l'Aquarium du Québec qui va être chez nous le 30 mars. Donc, avec des aquariums et avec des espèces marines à l'intérieur là, pour faire découvrir à toute la famille là, ce qu'on peut présenter au Québec. Quand on parle de rendez-vous conférence, je crois qu'à plusieurs reprises, les gens du Centre d'archives aussi qui vont présenter des conférences. Oui. Ça va être encore le cas, d'ailleurs, on est en collaboration avec le Centre d'archives. C'est toujours très populaire. Oui. En fait, les rendez-vous conférences chez nous, on veut viser deux choses. D'abord, traiter des sujets plus historiques, notamment avec la collaboration du Centre d'archives, en lien avec l'exposition permanente. Oui. Puis des sujets un peu plus, je dirais peut-être ludiques, en lien avec les sujets d'exposition temporaire, celle-là. Donc, c'est pour ça que les prochaines activités sont en lien plus avec l'exposition « Comme un poisson dans l'eau ». Mais il y aura aussi des conférences à savoir un peu plus historiques. Là. On essaie d'aller chercher, en fait, un plus grand éventail de sujets pour plaire au maximum de gens. Ces conférences-là, il y en a à peu près combien par année? On est à peu près à 4, 5, 6, mettons, maximum 6 par année. Donc, comme on a deux mois, là. C'est ça, exactement. À peu de choses près, on a 3 expositions temporaires. Donc, il y en aura une par exposition temporaire ou à peu près le reste touchant plutôt des sujets d'exposition permanente. Maintenant, les activités familiales. Oui. Les activités c'est familiales. Des activités pour les familles. Oui, pour, c'est ça. En fait, on peut même aller jusqu'à dire que c'est des activités un peu plus grand public. Je vous parlais tout à l'heure de l'aquavan, de l'aquarium. Évidemment, ce n'est pas strictement réservé aux enfants. C'est réservé aux grands-enfants aussi. Donc, c'est un peu ça qu'on vise, en fait. Un des objectifs public plus large. Exact. Un des objectifs, en fait, là, de la programmation 2019, c'est vraiment la diversification puis la fidélisation des publics. Donc, ce qu'on veut, c'est faire entrer des nouveaux gens au musée. On veut leur montrer en fait que le lieu, c'est un lieu qui est convivial, c'est un lieu qui est accessible. On veut casser peut-être un petit peu l'image qui habite un peu les musées depuis plusieurs années. Que c'est plate, un musée. C'est pas nécessairement plate. Moi c'est sûr, je vous dirais pas que c'est plate. Moi non plus, j'ai jamais vu ça, quelque chose comme plate, mais tu sais, on n'a pas l'intent. Mais c'est sérieux. Il faut s'habiller propre, il faut pas parler fort, mais c'est pas ça. Un musée, c'est beaucoup plus accessible que ça. On a parlé tout à l'heure un petit peu de KB3, justement. Oui. Qu'est-ce qui arrive du côté de KB3 pour l'été? Pour l'été, parce en que fait... le KB3, en fait, c'est une ouverture saisonnière. Oui. Donc, on ouvre quand? On ouvre la fin de semaine de la Fête des Patriotes.
Donc, on est à la mi-mai, à peu près, jusqu'à la fin de semaine de l'Action de grâce. Fait que c'est quand même une bonne saison. Hein. Oui, c'est ça. Mais ce qui est le hors saison pour le KB3, en fait, c'est de mai à juin, puis de septembre à octobre. Oui. En fait, là, c'est ce qui correspond aux dates où il y a encore de l'école. Finalement. Oui. Donc, à ce moment-là, le KB3 va être ouvert les fins de semaine uniquement. À partir de fin juin jusqu'à début septembre. Donc, de la Saint-Jean-Baptiste, de la fête nationale jusqu'à la fête du travail. C'est ça. Là, on est ouvert à ce moment-là tous les jours. Tous les jours. Ce qui correspond à notre grosse saison, si vous voulez. Donc, on ouvre à ce moment-là tous les jours et les trois bâtiments sont toujours accessibles. Pour ceux qui connaissent le KB3, en fait, c'est possible de visiter le Chevalement, la Forge et le bâtiment d'Étreuil. Et à l'intérieur du bâtiment d'Étreuil, il va avoir aussi une exposition temporaire. Il y a toujours une exposition temporaire au KB3 à chaque année. Cette année, c'est une exposition de photos avec le Club de photographie des Collines, donc qui est le club de photographie local. L'exposition s'appelle Vestiges miniers et celle-là prend l'affiche fin juin jusqu'à début octobre. Bien entendu, on peut, sans visiter le KB3, on peut toujours avoir un accès à l'observatoire. Oui, absolument. Il y a un tarif spécial, en fait, pour les gens qui ne veulent que visiter l'observatoire à ce moment-là. Puis, il va y avoir aussi des événements là, en lien avec le centre historique de la Minking dans le courant de l'année aussi. On est en train de travailler sur un événement d'ouverture. Là, on aura assurément la chance de s'en reparler. Puis, des activités ponctuelles là, pour animer le site aussi. Bien entendu, la phase 2 a été annoncée. Oui. Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que ça va commencer? En quoi ça consiste? C'est en démarchage déjà. En fait, le travail est déjà commencé. Vraisemblablement, quand il va faire un peu moins froid et qu'il y aura peut-être un peu moins de neige, ce sera vraisemblablement plus accessible. Donc, c'est une question de temps là, avant que cette phase 2-là soit démarrée. Physiquement, oui. parce que c'est déjà en cours, mais c'est le bout que la population ne voit pas. En fait, là, c'est bout de travail en arrière-scène, là, c'est-à-dire au niveau de plans, de devis, des choses comme Donc, ça. Donc là, on sait déjà qu'il y aura l'aménagement du parc urbain, donc devant le KB3, là, ce qui sert de stationnement là, présentement, et qu'il devrait y avoir une phase souterraine. Oui, effectivement. En fait, la phase 2, c'est deux choses en soi. C'est l'aménagement d'une galerie souterraine et l'aménagement du parc urbain qui est devant le Chevalement actuellement. On a quand même travaillé aussi du côté des horaires, des tarifs avec... Oui, absolument. C'est très clair, en tout cas, là, dans le document de programmation, dans le dépliant de programmation, pardon. Au niveau des heures d'ouverture pour le KB3, je vous l'ai expliqué un petit peu. Oui. On est les fins de semaine en horaires réguliers et toute la semaine en saison estivale. Mm-hmm. Alors que pour le musée, actuellement, sur l'horaire régulier, c'est le musée est fermé le lundi. Oui. On va ouvrir 7 jours semaine à partir de fin juin. Toujours la fête nationale jusqu'à la grande saison estivale. Exactement. La période des vacances. Oui, exactement. OK. Donc, on est fermé le lundi pour... À ce moment-ci, c'est le cas, jusqu'à fin juin, début juillet à peu près. OK. Oui. Et nouveaux tarifs? Oui. En fait, on a revu un peu les tarifs, certains à la hausse, certains à la baisse. Mm-hmm. Il faut s'ajuster, hein, vous comprenez. Mm-hmm. En saison estivale, en fait, on vous vend systématiquement le duo, c'est-à-dire que vous pouvez faire à la fois la visite du musée et du KB3, dans le fond, pour un prix forfaitaire. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui nous permet, en fait, là, de vous offrir un produit qui est complet. Oui. Donc, en commençant souvent par la visite du musée, qui est comme une espèce d'entrée en matière au niveau du contexte. Avec la visite par autobus aussi, là, c'est inclus ça aussi dans la visite du musée. C'est ça? Pas nécessairement. Ah bon? Non. En fait, là, ce qui était vendu l'année dernière, c'était vraiment le forfait duo, c'est-à-dire que c'est la visite du musée et la visite ensuite du KB3. Cette année, ça va être possible d'avoir la visite en trio, effectivement. Donc, à ce moment-là, on vous offre un prix forfaitaire pour trois produits, dans le fond, soit la visite du musée, la visite du centre historique et la visite minière, qui revient l'année prochaine. D'accord. Ouais. Oui, parce qu'on a eu peur à un moment donné, là. Oui. Oui. Mais donc... il nous reste encore quelques détails à attacher pour annoncer. Bien, en fait, elle est annoncée. Le retour de la visite minière est annoncé. C'est même publié dans le document de programmation. Maintenant, il nous reste certains détails à valider, là, notamment en ce qui a trait au véhicule. Et de la poutine, comme on dit. Puis j'ai cru remarquer là, qu'il y avait quand même, pour l'accès à l'observatoire, il y a eu une baisse du coût, là. En fait, non, c'est la même chose. Ah, OK. Oui, les coûts au niveau de l'observatoire sont restés les mêmes.
même. C'est les coûts au niveau des droits d'entrée en duo qui ont été augmentés un petit peu, mais pas pour tout le monde. Là. En fait, là, on a des tarifs adultes, aînés, étudiants et enfants. Mm-hmm. Et pour les entrées musées exclusivement, par exemple, il y a eu des fluctuations, mais pas, c'est pas majeur. Là. Je pense que c'est des, c'est quelque chose comme 50 sous à peu près. Là. Bon. Alors, c'est quand même tout à fait, si je regarde ici, là, c'est quand même tout à fait abordable. Là. On a une visite du musée et une visite de KB3, incluant l'observatoire, je crois, pour 20 $ Donc, absolument. Ce qui est en deçà, en fait, si vous divisez le prix par deux, hein, ce qui vous donne 10 $ par visite, ce qui est en deçà du coût demandé à l'unité, finalement. Là. Si vous faites le musée uniquement, on est à 12 $ Donc, en vous offrant le duo, on est déjà un peu plus économique. Un peu plus accessible. Exact. Puis vous avez, en fait, deux produits complets à ce moment-là. Puis comme je le disais tout à l'heure, bien, ce qui est intéressant, c'est de faire la visite du musée d'abord parce qu'on vous dresse un portrait historique, un contexte historique. Et ensuite, vous avez la visite du KB3 qui, à ce moment-là, bien, correspond à un lieu très parlant de lui-même, qui est un ancien lieu de travail, là, dans le fond. Là. Mais je crois que en devenant membre du musée, on a des petits avantages. J'en avais plusieurs, en fait, oui. Si vous constatez Tiens, dans le document. Laisse, de... Oui, bien, il n'y a pas de problème. En fait, il y a plusieurs avantages. Les avantages ont été libellés autrement. Mm-hmm. Et on en a ajouté aussi, évidemment. Donc, en devenant membre du musée, minimalement, vous avez des entrées ça gratuites. Ça coûte combien? Bon, je vous les donne en 1000. Le membre étudiant, 20 $ Le membre individuel, par année, bien sûr. Mm-hmm. Le membre individuel est à 40 $ Le membre familial, et là, en fait, ça comprend parents et enfants. Et c'est pas, on n'est pas restreint à deux parents, deux enfants. Là. Si vous êtes une famille de 5, ça compte aussi. Okay. Si vous êtes 6, ça compte aussi. Exact, c'est une famille. Donc, on est à 60. Pour les membres organismes, on est à 100 $ Et pour les membres entreprises, on est à 200 $ Évidemment, dans cette catégorie de membres-ci, il y a eu des augmentations partout. Il faut comprendre, par contre, qu'on soutient à la fois le musée et le Centre historique de la Mine King. Donc, à mon sens, ça justifie l'augmentation des tarifs parce qu'on soutient deux institutions au lieu d'une. Okay. Et pour que ce soit plus alléchant, évidemment, pour pas que vous soyez en reste, on a ajouté des avantages supplémentaires. Allez-y, c'est ça que je veux savoir. Donc, comme je le disais tantôt, minimalement, ce que vous avez comme avantage, c'est l'entrée gratuite au musée et au Centre historique de la Mine King en étant membre. Vous recevez des invitations pour les vernissages d'exposition, pour les réunions Assemblée générale, élection des membres et pour les activités et événements spéciaux du musée. Puis là, bien évidemment, il y a un tarif membre. Oui. Donc, ça, vous bénéficiez d'un rabais à ce moment-ci. Donc, c'est un rabais qui est de l'ordre à peu près de 25 % là, sur les activités payantes du musée. On vous offre un accès gratuit soit au tour historique ou à la visite minière une fois par année. Mm-hmm. Et chose qui est différente, vous pouvez parrainer un visiteur gratuit, soit aux expositions ou au tour historique ou à la visite minière. Donc, lorsque vous avez de la visite, par exemple, qui vient de l'extérieur, vous êtes membre du musée, bien, vous pouvez parrainer un visiteur. Donc, vous, votre entrée est gratuite. Puis, dans cette occasion-là, s'ils sont deux, par exemple, bien, vous avez au minimum un visiteur dont l'accès est gratuit, alors que, dans le fond, vous avez une seule entrée à payer. Ah bon. Ça, c'était pas accessible avant. Maintenant, ça le devient suite à une demande qui a été formulée. Oui. Donc, pour les expositions du musée du KB3, c'est en tout temps. Pour la visite minière ou pour le tour historique, ce sera une fois par année. On vous offre aussi 25 % de rabais sur la première location de salle au musée. Probablement beaucoup plus intéressant pour les membres organismes et entreprises, évidemment. Mm-hmm. Des rabais en boutique aussi. Vous avez accès à l'infolettre sur les activités, expositions et nouvelles du musée qui vous est envoyée par courriel. Nous, on est membre aussi de l'Association des centres de sciences canadiens. Donc, en devenant membre de cette organisation-là, ça vous donne aussi des entrées gratuites dans les musées qui sont aussi membres de l'Association des centres de sciences. Et pour les membres communautaires et corporatifs, donc tout ce qui est commerce et entreprise, on offre une plus-value, encore une fois. Donc, soit des laissez-passer pour les expositions ou du musée ou du KB3, des rabais sur les tarifs de groupe, des rabais pour les articles en boutique, puis des rabais pour les locations de salles aussi.
Et en terminant, ça c'est intéressant, hein, parce que pour ceux qui aiment bien leur musée, ça supporte bien un organisme à but Absolument. non lucratif aussi. Absolument. Et pour terminer, on a aussi des locations de salles Oui, au musée. en effet. En fait, on a revu un peu là, le contrat de location de salle, en fait, dans le même exercice où on a retravaillé le programme de membership. Donc, sur notre site Internet, en fait, c'est très bien détaillé. On vous présente, en fait, les trois salles qui est possible de louer, autant au musée qu'au niveau du KB3. Au niveau du musée, on parle de la salle polyvalente des jardins et du hall d'entrée, alors qu'au niveau du KB3, on parle de l'observatoire. Donc, vous avez, en fait, une brève description de chacune de ces salles-là. Puis, on a même poussé l'audace jusqu'à vous donner un aperçu de la capacité d'accueil de ces salles-là. Donc, soit en formule cocktail, en formule conférence ou en formule réunion pour vous donner un ordre de grandeur, puis savoir, en fait, laquelle correspondra le mieux à vos besoins. Bien, Madame Saint-Gelais, Véronique, un grand merci. Ça me fait Ah, plaisir. on savait qu'on avait beaucoup de choses à On se a beaucoup de dire. Le temps, choses. achève. Alors, un grand merci de nous avoir donné toutes ces informations. Ça me fait C'est un rendez-vous au Absolument. musée, cet été, Oui. KB3, et bien entendu, les expositions temporaires. Absolument. Mesdames et messieurs, là-dessus, on se laisse et nous serons de retour la semaine prochaine.